chaque individu appartient à une communauté et chaque nation possède un peuple. Les nôtres s'appellent le Congo, notre cher et beau pays, et le peuple qui habite le Congo s'appelle peuple congolais. Chers amis, merci beaucoup parce que vous nous suivez et il y a un représentant des peuples congolais ici dans la diaspora, notamment ici dans la ville d'Iowa City, que nous recevons spécialement pour vous afin qu'il puisse passer un message très important. Nous recevons le président de la communauté congolaise de l'Iowa, parce que nous sommes dans l'état d'Iowa, chers téléspectateurs ou téléspectatrices. Son nom, c'est M. Peter Kumu. Bonsoir, président Peter. Bonsoir, monsieur. Vraiment, au nom de toute l'équipe de Tout Savoir Télévision et tous ceux qui regardent cet élément, nous sommes très heureux de pouvoir vous questionner parce que vous avez un message très important que vous voulez livrer à la communauté congolaise. Si nous pouvons directement connaître l'information. Merci beaucoup pour l'opportunité. J'aimerais saluer toute la communauté et je serai vraiment bref avec mon message. Et la raison de ma présence ici, c'est pour vous annoncer que le 4 juillet sera un mercredi. Nous allons tenir notre réunion de l'Assemblée générale de la communauté congolaise. La réunion se tiendra à Cédar Rapide à partir de 13h. Donc l'adresse, c'est le 1224 5e rue Southeast Cédar Rapide. Je peux dire ça en anglais. 1224 5th Street Southeast Cedar Rapids. C'est là où va se tenir la réunion de l'Assemblée générale du 4 juillet. Assemblée générale, une assemblée qui va recevoir tous les peuples congolais habitant les villes de Muscatine, les villes d'Iowa City, les villes comme Cedar Rapids, les grandes villes qui se trouvent ici. Iowa City, Cedar Rapids, Coralville, Muscatine et toutes les villes environnantes. Vous êtes appelés, vous qui êtes congolais, à venir nombreuses participer le 4 juillet. C'est la journée d'indépendance de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, et c'est une journée fériée. Donc vous êtes vraiment invités pour écouter les nouvelles directives de la communauté. Les gens doivent directement savoir quel sera l'ordre du jour. Oui, à l'ordre du jour, il y a un seul point qui sera à l'ordre du jour. Ça sera pour parler de la mise en place de la commission électorale. Parce que notre communauté est sur le point de renouveler le leadership de la communauté. Alors les gens ont demandé qu'on puisse organiser des élections pour élire les nouveaux leaders. Alors, mais pour arriver là, nous devons mettre en place une commission électorale qui va alors nous amener vers ces élections-là que nous comptons avoir d'ici peut-être septembre, si tout va bien. Donc c'est pour cela que nous organisons cette Assemblée générale. C'est vraiment très important. Et on va élire les gens qui vont faire partie de cette commission électorale pour élire nos prochains leaders. Voilà. Donc le président Peter Kumu invite tous les Congolais habitant l'État d'Iowa à venir massivement le 4 juillet participer aux travaux de préparation des élections pour le nouveau comité qui va diriger la communauté congolaise ici dans l'État d'Iowa. Chers amis, prenez pas ça à la légère, prenez ça très au sérieux parce que nous devons faire l'état général de notre communauté, savoir qui est congolais, qui n'est pas, savoir comment nous devons diriger notre communauté parce que nous ne sommes pas beaucoup, mais nous devons être une fierté pour la République. Vraiment, merci beaucoup président Peter, nous sommes très heureux, je crois que le message est passé. Tokoko lo balingala parce que mingi français et Zaramoulaï pour la bango. Et là, on est au même niveau de tout. Et là, on est là pour nous aider à la communauté congolaise. Nous allons à la réunion de l'Assemblée générale. Nous allons à la réunion de la Congolais le 4 juillet à Cedar Rapids. L'adresse est 1224 5e rue Southeast à Cedar Rapids. Nous allons à l'église. Nous allons à l'église. Et nous allons à partir de 13h de réunion avec nous. Mais avant la réunion, nous allons te préparer avec moi alors que nous sommes en Sapé Bisso. Nous allons à un match de football pour nous bilinguer. Et puis nous allons à loisir. Nous allons à partir de 10h, peut-être 11h. Et puis après le match, nous allons à la réunion. Voilà. Donc, bon ben, amis, Congolais, nous sommes en place.
Tout le les 4 juillet, et ça mercredi, mais ça férié en Amérique parce que ça journée de l'indépendance. Réunion mon néné pour na kotambusa lisanga ya bana Congo awa wana bamboko tozo vanda Muscatine, Iowa City, Coralville, Cedar Rapids, na bamboko pemé les ba congolais no soza awa wana eta na biso ya Iowa. Président nango yeyo Peter Kumu abengisi biso to kuta na équipe tout savoir télévision et kozala wana pour na tozo bilili peto mona na nabino bomona na pena biso. Ngai comment na Marcel Bangali na pesi trésor Kanza, merci pour na saler les mains au kitoko. Merci, merci. Na président Peter pour nandenge ba congolais ba koyé belé et belé et belé mukolwana pour to kié bandeni ni to soma yela sika pour to tamusa oya biso communauté pour to longa makamu belé. Merci président Kumu. Merci. Je crois que ba congolais ba koyé belé mukolwana pour bazanga té ezali pour na kutia commission électorale, ezali très important pour na élection za koya. Voilà, rafraîchissement et kozala oya linga kozwa mwa eloko to ko melé mwa eloko. Et que ça la parce que ce qui est ici, Kabula Yango. Merci, président Kumu. Merci beaucoup. Merci, Bandeko. Merci tout Koutani Mukolwana. Pona, tous les labino, Pepo, tout le monde, Nabino, Bino, Nabiso. Merci. Merci beaucoup.